La Maison des Enfants a fêté ses 30 ans d'existence le mercredi 22 novembre 2017. Bienvenue au CHU. Une grande fête était donnée pour l'occasion au sein du pavillon de pédiatrie. Chaque service avait choisi un thème, une idée de génie partagée à tous les étages avec les trolls aux urgences, Maya l'abeille en hémodialyse, Harry Potter en oncologie, Mulan en orthopédie ou encore Alice au Pays des Merveilles en médecine. Au programme notamment, chorale, distribution de jouets, maquillage, magicien, pâtisserie ou encore chasse au trésor. Alors, lorsque les marins me voient au loin, ils tremblent de peur et veulent s'échapper. Mais ils ne peuvent rien faire, car si je suis hissé, tout le monde va y passer. Pas de quartier, je suis noir et blanc. Trouvez-moi proche d'un hublot, puis cherchez le prochain indice dans la maison des livres. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Noir et blanc, hissé en haut d'un bateau. Un drapeau. Ouais. Un événement que Quentin n'aurait loupé pour rien au monde. J'avais vu les affiches quand je vais en consultation. Et puis même si Laetitia ne m'avait pas dit de venir, je serais venue. C'est obligé, enfin. Je peux pas. J'habite pas loin et me dire à l'hôpital il y a les 30 ans. J'aurais pas pu. J'étais obligée de venir. Pour moi, c'était normal de venir. C'était normal, c'est. Ils m'ont tellement aidé que c'est un plaisir. Une journée qui s'est clôturée par un goûter confectionné par les pâtissiers de l'UCPA à l'effigie du logo de la Maison des Enfants. Un moment d'émotion pour Aladdin qui anime ce lieu depuis une dizaine d'années. C'est une émulsion qui monte et que toutes les équipes, il y a de plus en plus d'équipes qui ont participé jusqu'au bloc opératoire, dans les consultations. Vraiment, c'est une mobilisation générale. Et avec les enfants qui ont adoré, même depuis des mois, préparer des choses avec nous, des décors. Chapeau bas aux 350 personnels et bénévoles qui se sont investis pour que ces 30 ans soient une réussite.